J'ai eu l'opportunité d'aller à Troyes et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que pour moi, des clubs de Ligue 2, c'est pour moi le club où il y a plus de jeux, où j'ai parlé un peu avec mes coéquipiers de Nice, où ils m'ont expliqué un peu l'enceinte, dans comment c'était, et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour moi d'aller dans un club qui sent le football, qui joue au football avec un bon coach. Et dès que je suis arrivé, le directeur et le président m'ont mis à l'aise directement, m'ont donné la confiance que j'avais peut-être pas. Je sais que ici, je pourrais au moins avoir du temps de jeu, progresser et faire ce que j'ai pas pu faire à Nice. Dès qu'ils ont su que je pouvais y aller, les deux, ils m'ont dit directement de ne pas perdre de temps, d'y aller direct parce que déjà, ils m'ont dit qu'il y avait un super groupe où tout le monde s'entendait bien, tout le monde rigolait. Et ils m'ont dit que la qualité des terrains, c'était au-dessus de la moyenne et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et quand on a parlé, bon, on a parlé de choses, ils m'ont parlé des kinés, un peu de tout, quoi, du centre, comment ça se passait, et ça m'a donné envie d'y aller. Je suis arrivé à un âge aujourd'hui où j'ai plus trop la tête à me poser de questions, à me demander si je vais jouer, si je vais faire un groupe. Là, je suis à un âge où il faut que je joue, il faut que je prenne du temps de jeu et j'ai pas le temps d'attendre, en fait. Dès que j'ai su que j'avais des relations avec le club, j'ai suivi directement, j'ai regardé. Je savais déjà depuis l'an dernier, puis cette année, je savais déjà que c'était un club qui jouait énormément au ballon. Et c'est ça que nous, on aime, les jeunes footballeurs, ceux qui... Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, les jeunes footballeurs, c'est ça qu'on aime, le jeu, voir le ballon tourner, avancer des deux côtés. Et c'est ça qui attire directement. Donc ouais, je les ai regardés plusieurs fois et c'est ça qui m'a donné l'envie. J'ai une bonne qualité de passe, ça pourrait être des percussions, de jeu vers l'avant, mais ça, c'est ce que je vous dis, c'est de la parole, je préfère le montrer sur le terrain. Un joueur n'a pas besoin de beaucoup de présentation. Un joueur qui était sur l'effectif d'une équipe Ligue 1, comme beaucoup de joueurs, j'ai été deux joueurs de Nice, Dada et Albert. Et lui, c'est un peu sur le même profil. Techniquement, tactiquement évolué, vraiment évolué pour un joueur de sa âge. Le plus important, c'est qu'il s'adapte vraiment bien à l'équipe, à les profils d'équipe, sur l'intensité du championnat. C'est vraiment important parce que ça, le championnat, c'est un peu différent de Ligue 1. Je suis sûr qu'il va vraiment s'adapter rapidement et aider nous sur notre objectif.